d'abord, avant de commencer, je me présente rapidement. Bernard Hervy, je suis animateur socioculturel. Je travaille avec les personnes âgées depuis novembre 1983, il y a un peu plus de 30 ans. J'étais un des premiers à être nommé en tant qu'animateur dans des hôpitaux gériatriques à Paris. Ce qui était une expérience s'est ensuite prolongée. Les choses ont évolué, j'ai assuré la coordination de l'animation, donc des projets sociaux et des projets culturels sur un, deux, puis trois hôpitaux parisiens. On m'a ensuite confié un certain nombre de missions et je dirais on a commencé à travailler sur les fondements de la démarche animation et du métier à partir de 1995 avec des travaux par exemple sur les rôles sociaux, le vieillissement des rôles sociaux, les réponses que l'on pouvait apporter, la réactivation des rôles par exemple. On a commencé à écrire beaucoup, un certain nombre, moi et des collègues, et puis aussi des chercheurs, un certain nombre d'articles et d'ouvrages à partir de 2000-2001. En 2000, on a constitué le GAG, le Groupement des animateurs en gérontologie, donc une association professionnelle nationale, avec un certain nombre d'antennes et d'associations locales un peu partout. Pendant deux ans, 2003 et 2004, j'ai également, en plus de mon activité directe sur le terrain, travaillé et, comme chargé de mission au ministère, ce qui m'a amené à faire un certain nombre de propositions. Les plus connues sont effectivement celles liées à la professionnalisation, donc la création des diplômes qu'on appelle maintenant d'animation sociale, des diplômes interministériels, et j'en vois quelques-uns parmi vous qui ont suivi ces formations. Qui sont aujourd'hui connus, reconnus, et qui sont une des références de base de ce métier. Je suivis toute la mise en place de ces formations, j'ai recommencé mon travail sur le terrain, que je n'avais jamais quitté, et puis rempli différentes missions. Maintenant, je suis plus formateur et consultant, et je continue à accompagner un certain nombre de projets, de caisses de retraite complémentaires, ou de grosses institutions, ici et là, en France ou à l'étranger. Alors, quelle piste pour l'action culturelle? Je vais simplement parler de ce qui s'est... Oh là là, c'est un peu gros. On est passé d'un logiciel à un autre, donc il y a des choses qui ont un peu disparu. Quand je suis arrivé, donc en 83, la directrice de l'établissement et ce qu'on appelait à ce moment-là l'infirmier général, le directeur des soins maintenant, m'ont dit très clairement il faut amener la culture à l'hôpital. Je leur ai dit oui, mais vous attendez quoi par là? Ça ne savait pas trop. Quelques semaines après, je n'avais pas encore complètement commencé, c'était vers octobre-novembre 83, il m'appelle. Et ils me disent, on est embêté, on vient de trouver dans le journal qu'il y avait une des personnes hospitalisées chez vous qui vient de décéder, c'est marqué dans le journal. Il paraît que c'est une grande musicienne, elle s'appelle Germaine Taillefer, qui sait. Donc je savais bien que c'était une musicienne, mais pas grand chose de plus. Il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas rechercher sur Internet, bien évidemment. Donc, c'est des grandes encyclopédies où on retrouvait un certain nombre de choses. Et effectivement, Germaine Taillefer, c'est le groupe des six, c'est les années 20, c'est tout un groupe où ils sont six, et Germaine est la seule femme. Il y a Darius Milhaud, Francis Poulain, Arthur Honegger, Georges Auric, etc. Un groupe qui travaille autour d'Éric Satie, autour de Jean Cocteau, hein. C'est les mariés de la Tour Eiffel en 21. Et je reviens quelques jours après à l'hôpital et je leur dis, mais qu'est-ce que vous m'avez dit l'autre jour qu'il fallait amener les cultures à l'hôpital alors qu'elle était là, la culture
Donc, amener quelque chose qui est déjà là, essayons plutôt de révéler ce qui est déjà là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas amener des éléments extérieurs. Et au fur et à mesure de mon expérience, je me suis bien vite rendu compte que les gens étaient porteurs de leur propre culture. Et que les gens que nous avions, ce sont des gens expérimentés. Alors je parle culture dans tous les sens de la culture. C'est à la fois la culture officielle. J'étais à Paris, tout près du quartier latin. Donc vous imaginez le nombre de vieux intellectuels, de vieux artistes, musiciens, metteurs en scène, etc., que j'ai pu voir passer. Si on ne prend pas en compte la culture dont ils sont porteurs, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Une culture extérieure qui n'est plus la leur? Là-dedans, on a des gens qui ont été les plus brillants représentants de leur branche culturelle ou de leur branche artistique. Mais on pourrait aussi parler de culture populaire, de culture underground. Je sais que ce matin, il a été évoqué cet aspect-là et ce mélange de différentes formes de culture, et tout ça formant la culture de manière générale. Alors, quelle stratégie d'action culturelle? Une personne âgée des aires culturelles? Non. Non, au contraire. Ce sont des gens expérimentés. Ensuite, on dit l'apport culturel. Attention au risque. Dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays, on a connu, il n'y a pas si longtemps, des gens pleins de bonnes intentions qui ont décidé qu'il fallait amener la culture dans les colonies. Quitte à étouffer les cultures des peuples qui y étaient présents. Attention à ne pas faire la même chose avec nos personnes âgées. Attention à ne pas être dans une opération, je dirais, d'impérialisme culturel qui va nier les personnes et les cultures dont ils sont porteurs. C'est donc une autre dimension qu'il va falloir prendre en compte. Bien sûr, il y a des risques d'enfermement sur soi. L'ouverture aux autres, l'ouverture à ce qui se passe autour de soi est une dimension qu'il va falloir avoir. On ne va pas faire d'annulation socioculturelle si on n'a pas cet aspect d'ouverture aux autres. Donc on voit, on est sur les deux tenants, à la fois oui à la culture, mais oui il faut aussi s'ouvrir, il ne faut pas empêcher l'un, il ne faut pas empêcher l'autre. Donc la seule voie, c'est celle-là. C'est d'aller non pas vers un apport culturel assommé d'en haut, asséné d'en haut et qui assomme les gens, mais vers des rencontres de cultures différentes. Et les cultures sont très différentes, y compris entre les jeunes personnels et les vieux résidents. Les valeurs, les références, les modes d'expression ont considérablement changé en quelques décennies. Je vais partir d'exemple, c'est beaucoup plus simple. Michel Millet vous a parlé tout à l'heure de la vieillesse, qui était à la fois des pertes, mais aussi des gains. Oui, il y a des pertes avec la vieillesse, quelquefois. Oui, il y a des ruptures. Oui, il y a des secteurs où avec l'âge, il y a des capacités qui vont se restreindre. La force musculaire, par exemple, qui va diminuer avec l'âge. Mais ce qu'on oublie bien souvent de dire, je reprends là tout simplement ce que dit Jean-François d'Artigues, donc un des médecins chercheurs de Bordeaux qui travaille sur les enquêtes d'Aquid depuis plus de 30 ans. Dans ces enquêtes, aujourd'hui, il est très clair, il y a des secteurs où avec l'âge, il mène toute une enquête par exemple au niveau européen en ce moment, il y a des secteurs sur lesquels il va y avoir des pertes, on parlait des muscles tout à l'heure, mais il y a des secteurs où les gains continuent d'opérer. Il y a des secteurs où
ou qu'à 70 ans, ou qu'à 50 ans, ou qu'à 30 ans. Un exemple, le vocabulaire. On va avoir plus d'expérience, plus de connaissances, donc plus de vocabulaire à 80 ans, qu'à 50 ans, ou à 20. Mais on a des gens qui ont perdu la mémoire. C'est autre chose. Ce sont des maladies qui interviennent. Et ça, bien sûr, il faudra les prendre en compte dans les conditions de réalisation. Mais sur un vieillissement normal, oui, il y a des choses qui vont évoluer sur un plan négatif, et non, il y a des choses qui vont évoluer aussi sur un plan positif. Des cultures différentes dans l'établissement. Je vais vous prendre des exemples tout simples dans ce que j'ai vécu. Bébert, au Louvre, un bébert. C'est un vieux monsieur qui arrive un jour en fauteuil roulant. Je le croise un jour où il arrive. Il est dans son fauteuil, il erre, il cherche visiblement quelque chose. Je lui demande, monsieur, vous cherchez quelque chose? Eh bien, moi, tu ne m'appelles pas monsieur, je m'appelle Bébert. Moi, j'ai été au bagne avec Papillon. Mais tu sais, il n'y en a qu'un qui m'a dit vous, c'est le juge. Pour ce que ça m'a rapporté, je ne voudrais pas que ça recommence. Hein? Donc on se tutoie, autrement on ne se cause pas. Donc c'est un des rares que j'ai pu tutoyer pendant mes 30 ans de carrière, quand on était tous les deux, pas quand on était en groupe, bien évidemment. Et un jour, on avait une visite du Louvre qui était organisée. Et puis, il y avait une place qui était disponible, quelqu'un qui n'avait pas pu, qui n'était pas bien ce jour-là et qui ne pouvait pas venir, il y avait donc une place disponible. Et je dis, on va au Louvre, ça t'intéresse. Mais ouais, je connais le quartier là-bas. Bon, on y va, on n'y va pas. Ok, j'ai rien à foutre, alors je viens. Et Bébert au Louvre, il regarde. Et je le vois près d'une fenêtre. Il regarde les quais. Et je dis, Bébert, tu regardes, hein? Tu veux pas venir suivre la visite? Ouais, je vais venir, mais tu sais, ça me rappelle un tas de choses. Quand je venais là, oh, tu peux pas savoir le nombre de portefeuilles que j'ai piqués là. Je me suis jamais fait avoir parce que c'était refilé tout de suite à quelqu'un d'autre. Puis je voyais ce bâtiment, on appelait ça le château entre nous. Ah oui, c'était le château des rois. Hein. Et puis je me disais, j'irai jamais. Puis là, je suis sur le cul. Tu m'as demandé d'y aller, et je suis là dedans où je pensais jamais venir. J'ai un bébé, il a une vision du Louvre. Il a un vécu par rapport au Louvre. Il a une culture par rapport au Louvre. Alors bien sûr, ça ne va pas être la culture des visiteurs, mais ça fait partie de la culture parisienne. Ça me semble intéressant de prendre ça en compte. Bébert du Louvre, ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour lui. Il connaît. Pas d'une autre manière, d'une autre manière. Des domiciles ou des modes de vie rempli d'expérience et de référence. Je vous parlais du temps de la grand-mère. C'est Mélanie, c'est ma grand-mère. Je me souviens quand j'étais enfant, elle habitait dans une chaumière, une pièce, un sol en terre battue, un toit de chaume, dans la Brière, une région marécageuse entre Saint-Nazaire et Vannes. J'étais là, je sais pas, 10 ans, 12 ans. Et puis je me rends compte que la grosse horloge qui fait tic-tac dans cette pièce unique, cette horloge, elle n'est pas à l'heure. Moi, j'ai 11h moins 20, et l'horloge, elle est à 11h. Et je dis, mais grand-mère,
ici, elle est à l'heure. Elle dit non, ma montre, il est 11h20, et l'horloge, elle est à 11h. Elle me dit, ça c'est normal. C'est le temps qu'il me faut pour aller au bourg, à pied. Donc quand ça sonne 11h, pour moi, si j'ai un rendez-vous à 11h, ben je pars, et je sais que je vais être à l'heure. Mais quand tu vas en VO ou en mer, ah ben je pars quand même à 11h, puis ça me donne un petit peu de temps, et je sais que je peux m'arrêter de discuter avec une cousine ou une voisine. Et puis elle m'emmène l'après-midi faire le tour dans le hameau, et je me rends compte à ce moment-là que toutes les horloges du hameau ont 20 minutes d'avance. On est là dans une organisation sociale du temps. C'est pas le nôtre aujourd'hui, c'est le leur. C'est encore celui d'un de mes oncles qui a 92 ans. Quelques années après, ma grand-mère, elle est en maison de retraite. Je vais la voir. Il y a un réveil à côté d'elle. Je dis, mais grand-mère, ton réveil, il a encore 20 minutes d'avance. Elle dit, oui, je sais. Mais c'est le temps qu'il me faut pour aller boire le café, aller prendre mon café avec les copines au café du village. Quelque temps après, je repasse, et puis elle n'est plus capable de marcher. Et elle marche difficilement, elle ne peut plus aller dehors, tout facilement. Il faut qu'elle ait de l'aide. Et son réveil est toujours 20 minutes d'avance. Donc je pose à nouveau la question, et elle me dit oui, mais c'est le temps qu'il me faut maintenant pour aller à la salle à manger. Quelque temps après, je repasse la voir, elle va mal. Je sens bien que c'est un peu la fin. Et je regarde son éveil. Il n'a plus 20 minutes de retard. Il est à l'heure officielle. Elle n'est plus dans son temps, dans son organisation du temps. Je sais que c'est fini pour elle. Et c'est effectivement ce qui va se passer 2 jours après. Elle me dit, mais c'est le temps organisé autrefois. Mais quelle culture par rapport au temps? Quelle vision du temps dans l'organisation de sa vie? Ça n'existe plus? Je dis, si, ça existe. J'ai un de mes oncles qui vit encore comme ça. Qui a raison, qui a tort sur l'organisation du temps? Oh là là! Ça me semble intéressant de se poser la question, mais qui? Comment ça se fait? Comment on explique ça? Plutôt que de dire vous avez raison, vous avez tort. Participer ou expliquer, ou pratiquer ou participer. Je vais vous parler de Cécile R., une grande artiste, une peintre bretonne, un caractère impossible, une dame qui fout le bordel la nuit dans l'établissement. Puis quand on réfléchit, quand on discute avec elle, quand on voit avec ses amis, on se rend compte qu'elle n'a toujours pas la nuit et qu'elle se reposait le jour et qu'elle ne voit pas pourquoi ça se passerait pas autrement. Cécile, ça fait déjà longtemps qu'elle n'arrive plus à peindre. Elle a une maladie neurologique horrible, ce qui fait qu'elle ne peut plus situer correctement dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, vous dessiner un œil, elle va mettre l'autre œil à côté et il se retrouve en dessous. Quand vous avez été une des plus grandes artistes de votre époque, c'est l'horreur. Cécile, ça a été la première femme lauréate au Salon des artistes français. Et donc, on s'est très vite rendu compte qu'elle ne pouvait plus vivre économiquement de sa peinture, qu'elle ne pouvait plus peindre, mais qu'elle pouvait toujours en vivre affectivement, culturellement. Oui, quand elle était à l'hôpital, elle a participé à des expositions internationales organisées par le ministère de la Culture qui envoyait des œuvres françaises en Chine.
Oui, sur l'arrondissement, faisait des artistes, des peintres de l'arrondissement. On demande toujours que ce soit des œuvres récentes. Il ne peut pas y avoir pour elle des œuvres récentes. Donc on négocie. Et elle va là-bas, au vernissage. Les personnels qui l'accompagnent ne connaissent rien à la peinture. Mais elle va leur expliquer la peinture. Elle n'est plus capable de peindre, mais elle leur fait rencontrer ses copains, les grands peintres, et elle va leur expliquer la peinture. Mais attention, c'est toujours un équilibre instable. Cécile, elle ne peut plus peindre. Il y a un jour des amis bien intentionnés qui m'ont mise face à une toile avec un peu de peinture. Il faut dire que elle avait accepté des commandes et des arts sur des peintures qu'elle n'a jamais faites. Elle a vendu plusieurs fois à des personnes différentes le même tableau. Il y avait des tonnes et des tonnes de dettes. Donc ses amis ont dit, il faudrait peut-être quand même faire un peu de peinture pour qu'on retrouve un peu tout ce qu'on s'est fait piquer. Et j'ai retrouvé Cécile pleurant devant la toile, parce qu'elle était mise face à son incapacité. Et attention, des grands artistes dans leur domaine, il y a quelques années, on disait, on va leur faire faire, ça leur fera pas de mal. Attention, ça peut faire très mal. Je me souviens aussi d'une musicienne, une très très grande musicienne, une pianiste, avec un Alzheimer évolué. Quand elle parlait, c'était totalement incohérent. Quand elle parlait musique, c'était un petit peu cohérent, mais surtout, elle pianotait dans le vide. Et les gens qui connaissent le piano disaient, mais elle fait pas n'importe quoi. Puis un jour, je l'ai retrouvée devant le piano, quelqu'un qui était en stage, qui l'avait mis devant le piano. Et là, elle était en larmes face à son incapacité. Donc on a tout de suite rectifié le tir, mais non, madame, mademoiselle, pardon, c'était une demoiselle. Mademoiselle, ce piano, il n'est pas fait pour vous, c'est un piano de moi, c'est pas un piano de concert. N'empêche qu'une semaine après, elle était décédée, je me suis toujours posé des questions. Sur quel rôle avait eu cette mise face à ses difficultés dans sa disparition. Donc attention, faire, oui, quelquefois, mais ça peut être avec beaucoup de risques. Participer à et trouver le mode de participation qui va être compatible avec les capacités des gens, alors là, oui, oui, oui. Et ce que je dis toujours dans les formations d'animateurs, attention, faites bien la différence entre faire et participer à, y compris sur des choses élémentaires. Faire une tarte aux pommes, c'est pas automatiquement se taper 2 heures de plus de pommes. Surtout si on est désorienté, quelquefois dangereux, et avec un couteau pointu. Ça peut être un tas d'autres choses. Ça peut être donner la recette. Ça peut être critiquer les recettes des autres. Oui, critiquer, c'est un mode de participation. Ça peut être surveiller la cuisson. Je sens que ça brûle. J'avais des cuisines mobiles avec des fours. L'équipement que j'ai le plus changé, c'était le bouton d'éclairage du four. Je vais surveiller si c'est cuit. Donc attention au faire. Oui, dans certains cas, quand les gens le veulent, ils le peuvent. Mais plus important que le faire, c'est participer à. Oui, ce qu'on dit souvent, un vieux qui meurt, c'est un livre qui se referme, c'est une culture qui part, mais bien souvent, on attend qu'il soit mort pour dire ça. Alors que la culture qui a disparu, ben, quelques jours, quelques heures avant, elle était là avec nous, et on l'a négligée. C'est ça qu'il va falloir inverser dans toutes les actions culturelles, faire réémerger cette culture de gens en difficulté, de gens diminués, mais dont la richesse se trouve là, la richesse pour eux et l'identité pour eux, mais aussi la richesse pour nous qui suivons. Donc,
Essayons de nous orienter vers des échanges, des rencontres interculturelles, plutôt qu'une culture qui va être assénée aux gens. Donc, dans un groupe, dans une même génération, etc., on va trouver des cultures, des diversités culturelles et identitaires. Il y a aussi une démarche qui est essentielle. On s'ouvre aux autres quand on est reconnu. On découvre quand on est reconnu. Si on est reconnu comme étant quelqu'un qui connaît quelque chose sur la chanson française des années 30, on va pouvoir beaucoup plus aisément accepter d'être confronté à un autre type de musique. Parce qu'on est reconnu comme étant porteur d'un type de musique. C'est donc cette dimension-là. On peut découvrir quand on est reconnu. Et le point de départ, c'est d'abord, c'est pas la découverte, c'est la reconnaissance. Alors on va me dire, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il va falloir retrouver des éléments, je dirais, qui vont être en résonance avec la culture des gens. Je travaille en ce moment avec quelqu'un qui est sur des appareils musicaux et qui me dit mais ça va apporter telle chose. Je dis non. C'est pas la musique elle-même qui va apporter quelque chose, c'est la correspondance entre tel ou tel domaine musical. Et la pratique plus ou moins ancienne des gens, leur référence à eux, s'il y a une résonance, on va avoir des gens qui vont s'éveiller, qui vont se réveiller. Et c'est donc notre boulot, votre boulot, de retrouver des références musicales par exemple, mais ça va être aussi des poèmes, ça va être aussi un tas de choses, ça va être aussi des savoir-faire, ça va être un tas de domaines différents. Et ensuite, quand ils seront reconnus dans ce domaine-là, reconnus à vos yeux, mais surtout reconnus par les autres du groupe, de l'institution, de la famille, c'est cette reconnaissance-là qui leur donnera ensuite la capacité d'accepter autre chose et de découvrir autre chose. Alors on voit ça. C'est là où vont se passer un tas de découvertes. Je vais prendre un autre exemple. Quelque temps, sur une rencontre intergénération, on avait toute une thématique sur le temps qui passe. Pas le temps qui fait dehors, hein, le temps qui passe. Donc le jeu, c'était que chacun donne ses années, ses dates de naissance, le soi, de ses parents, de ses grands-parents et des professions. Vous voyez bien qu'avec les personnes âgées, on remonte tout de suite à 1850. Avec les enfants, on n'allait pas leur demander leur profession, mais celle qu'ils rêvaient de faire plus tard. Ils étaient écoliers maintenant, et quand ils seraient grands, ils avaient envie de faire quoi? Et je me souviens d'un échange une fois avec une vieille dame qui parle de sa profession. Puis ensuite, on me dit, mais votre père, il faisait quoi? Son père ou grand-père, je ne me souviens plus exactement. Et la vieille dame dit, mais il était à Paris comme moi depuis longtemps et il était maréchal Ferrand. Les gamins s'interrogent. Maréchal Ferrand, qu'est-ce que c'est? Je me souviens d'un petit garçon qui lève la main en disant « Je crois que c'est celui qui traite les chevaux. Hein » Mais comment t'es mis un maréchal Ferrand à Paris? Donc on remonte tout de suite à l'époque où les transports se faisaient par chevaux. À côté de ça, quelque temps après, enfin, la même journée, mais quelques minutes après, il y a une petite fille qui dit « Mon papa, il est concepteur en image numérique. » Vous imaginez la tête des vieux. Qu'est-ce que c'est que ça, concepteur en image numérique?
pas automatiquement compréhensible, on essaie de compléter un peu. Il y a un vieux monsieur qui dit, mais, ah oui, c'est un peu comme moi quand j'étais dans le labo photo et que j'allais modifier la couleur de la photo. Je lui dis, vous avez raison, c'est à peu près ça, sauf qu'au lieu d'être fait avec de la chimie, c'est fait avec de l'informatique. Mais l'idée, c'est ça. Et je dirais, c'est là que les échanges prennent leur sens. Alors, échange, c'est très clair. C'est les uns apportent et les autres apportent. C'est là où on a échange. Et on ne pourra pas avoir d'échange à sens unique. J'apporte aux autres. Ou les autres m'apportent. Et très clairement, notre boulot, ça va être ça, découvrir parce qu'on est reconnu et d'organiser l'échange, c'est-à-dire les apports réciproques. Et on ne fait pas des cours. On ne fait pas d'éducation avec nos vieux. Leur éducation est terminée depuis longtemps. J'irais la découverte du nouveau, elle va se faire par les échanges et par les apports réciproques. Non pas par un cours ex-magistrat. Il y a un autre point que vous avez dit, eux ne sont pas capables, ils sont trop vieux. Hein? Non, voyons clair, il y a eu un certain nombre d'exemples qui m'ont été donnés ce matin. On est avec des générations qui ont vécu des changements absolument phénoménaux et qui se sont adaptés à tous ces changements. Qui sont nés avec des sabots et qui terminent avec les fusées qui vont sur la Lune et les avions qui traversent les océans. Et donc, je dirais, c'est des gens habitués depuis longtemps, très longtemps, depuis toute leur vie, au changement. Alors, il ne me reste pas vraiment beaucoup de temps. Ah, oh, bah oui, ça va, c'est pas mal. Un autre point, oui. Donc, un double mouvement, une dynamique de rencontre. Si vous remarquez, des réalisations et développées dans un continuum, hein, ce qu'on appelle souvent maintenant le continuum de vie. Hein. Oui, la vieillesse est faite de rupture, hein, ça a été dit, mais oui, il y a un continuum dans la vie. Quand on travaille sur les trajectoires de vie des gens, et ça fait longtemps que j'en fais, j'en fais systématiquement pour tous les centenaires et j'en ai eu jusqu'à 10 par an dans les gros établissements où j'étais. Et c'était un des trucs que je me gardais parce que ça permettait de découvrir aussi un certain nombre de choses. Et bien on se rend compte qu'il y a dans la vie des gens, alors c'est difficile de capter, ça demande quelque peu de temps, ça demande des connaissances, ça demande le temps que les gens soient apprivoisés, ça demande quelquefois la présence des familles, ça demande un tas de choses. Hein. C'est toute une alchimie, mais on se rend compte que, je dirais, c'est 3-4 éléments qui vont être les ressorts et les moteurs de la vie. Quelquefois, ça va être dans le domaine familial, quelquefois, ça va être dans le domaine professionnel, quelquefois, ça va être lié à la guerre, quelquefois, ça va être lié à la mort, à la disparition des enfants. Qui marque tellement les mères, etc. Et on va avoir un certain nombre d'éléments comme ça qui vont, mais qui sont d'une richesse extraordinaire. Je me souviens d'une des premières avec lesquelles j'ai travaillé comme ça, Mademoiselle T. Madame T. Madame T. C'est une des premières sur lesquelles j'avais travaillé comme ça. Elle a eu 100 ans en 86. Elle avait été mariée 3 fois. Son premier mari, elle avait 16 ans. Elle venait de la bourgeoisie. Hein. Elle avait été mariée, promise à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, donc elle est partie en bateau. 40 jours de bateau pour aller rejoindre son futur mari. Était consul de France au Japon.
et nous parlait de son retour avec le transsibérien. Extraordinaire la modernité du transsibérien. Il fallait 4 jours pour faire le retour là où il en avait mis 40. Hein? Je pense à Madame V, une vieille bretonne de 100 ans, qui nous racontait sa vie. Comment elle a été mariée comme ça à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui était à Paris, où elle a débarqué en sabot, ne connaissant pas un mot de français. Et ensuite, partant tout de suite en Algérie, à ce moment-là, colonie française, avec ses sabots, sa tenue bretonne, sans un mot de français et sans un mot d'arabe. Nous parlons aussi de son admiration pour son mari quand ils sont revenus en France, où il faisait les sièges en cuir des Citroën qui faisaient la traversée jaune, traversée des continents qui ont été faites dans les années 30. Hein? C'est tout ça, toute cette richesse qui vous saute à la gueule, hein? Et avec lesquelles, vous savez, quand on travaille là-dessus, les familles, les personnels ne voient plus les personnes âgées de la même manière. Oui, s'ils ont leur culture, quelquefois une culture extrêmement reconnue, d'autres fois une culture modeste, d'autres fois, je l'ai vu par exemple dans des villes ouvrières, une culture de la solidarité ouvrière qui est absolument étonnante aujourd'hui pour les jeunes qui la découvrent. Donc c'est tout ce continuum. Lien social et culture, alors ben, attention, hein, on parle beaucoup du lien social, moi j'insiste beaucoup sur le lien social, hein. Alors attention, il y a toujours une ambiguïté. Dès qu'il y a un lien, il y a deux types de liens. Il y a celui qui attache et immobilise, et celui qui relie. Donc attention à ce que le lien qu'on va mettre en place, ne soit pas un lien qui attache et qui immobilise, mais que ce soit un lien qui relie. Et pour qu'il relie les gens, bah c'est bien simple, il faut qu'ils soient vivants à chaque bout du lien. Et c'est le système d'apport réciproque que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce qui va nous permettre de faire les échanges. Et puis je vous disais, et ça je ne le répéterai jamais assez, attention, j'entends encore trop souvent dans les établissements, mais ils peuvent plus faire, mais ils peuvent plus lire. Mais peut-être qu'ils peuvent participer à, peut-être qu'ils peuvent participer à une lecture, peut-être qu'ils peuvent participer à telle chose. Les enquêtes qu'on a sur la lecture, j'en fais très souvent sur les établissements, sur les services à domicile. Sur les établissements, c'est à peu près clair, on est sur une fourchette. Souvent, je fais des enquêtes avec ce qui est accepté et ce qui est refusé. On est sur des taux de souhait sur la lecture, une fourchette, allez, de 31 à 35. Et avec un taux qui est souvent exactement le même de refus absolument, ça je peux plus. Donc bien souvent, effectivement, sur le livre, je vous parlais tout à l'heure avec quelqu'un, oui, je dirais, il y a le livre, on va lire et puis raconter. Ça raconte une histoire, ça développe une pensée, ça développe une idée. Et puis, il y a aussi l'identité. Combien de livres j'ai vu distribués à des personnes âgées qui ne les lisaient jamais ? Bonjour madame, vous êtes une ancienne institutrice. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que je vous laisse comme livre ? Vous ne me laissez pas un roman de gare. Vous me laissez un Proust. Elle est plus capable de lire Proust. N'empêche qu'elle a Proust à côté d'elle. Elle se présente aux autres comme étant capable de lire Proust, ce qu'elle a été.
On repasse 15 jours après. Vous avez terminé, on peut changer. Non, non, j'ai pas terminé. Vous me laissez encore un peu. Elle n'a pas lu une page. Ça fait partie du rôle social du livre. Il y a combien de gens qui achètent le prix Goncourt et qui ne lisent jamais? C'est pareil. Et puis, il peut y avoir aussi des lectures qui vont être organisées, des lectures qui vont être pouvoir faites et par les uns ou par les autres sur des éléments liés à leur centre d'intérêt, hein, où ils vont pouvoir réagir et échanger, hein, et laisser les choisir, machin. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est souvent la question qu'il faut poser. Qu'est-ce qui vous intéresse? Il vaut mieux partir des centres d'intérêt des gens. Donc, dernier point, ben, on l'a déjà évoqué, c'est l'apport des personnes. Ne l'oublions jamais, l'apport des personnes sur leur culture, ce dont ils sont porteurs, qui va être l'élément majeur qu'il ne faut surtout pas oublier. Qu'est-ce que je peux vous dire pour compléter tout ça? Ben, peut-être vous avez un certain nombre de questions. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Avez-vous quelque chose? Non. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir dans des EHPAD. Je vais dire les choses comme je les ai vécues. Il y a des endroits où il y a des personnes, c'est ce que je disais aussi avec des collègues qui sont elles-mêmes infirmières dans une clinique, où les personnes ne sont plus réceptives, où on n'arrive plus. Ben, je vois que vous vous hérissez tout de suite, mais il faut dire la vérité. Où on n'arrive plus à communiquer. Et après aussi, dans le futur, je pense que plus on va aller vers dans les années à venir, plus l'âge où les personnes rentrent en institution va avancer. C'est-à-dire que maintenant, la moyenne d'âge où on rentre en institution, on a 85 ans ou 90 ans. Et bien souvent, on n'a plus de capacités physiques ou intellectuelles, ou elles sont très très réduites. Donc c'est difficile. Je ne dis pas qu'on ne peut pas communiquer, mais qu'on est face à quelque chose de très difficile. Alors, je veux dire oui. Oui, c'est pas facile. Oui, il va falloir tâtonner. Oui, on va rechercher un certain nombre de choses. On aura d'autant plus de chances d'y arriver qu'on est sur un sujet qui intéresse les gens. Première chose. Deuxième chose, vous savez, dans ma carrière, j'ai visité plusieurs centaines d'établissements. À un moment de temps, j'avais compté le nombre d'établissements qui me disaient que c'était eux qui avaient le plus fort taux de dépendance de toute la France. 60% qui me disaient ça, ça fait beaucoup de numéro 1 et c'est sûrement faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le niveau de dépendance a partout augmenté. Ça, c'est vrai. Avec des moyens qui n'ont pas toujours suivi. Encore qu'il y en a eu, ils n'ont pas toujours été affectés là où il fallait. Mais ce qui me frappe aussi quand je vais dans des établissements, c'est qu'on peut très bien avoir un étage et on va voir des gens qui sont habillés, qui sont parmi en rideau en randonnion devant une télé qui est sur M6, hein, ou sur une autre chaîne musicale, hein, qui se regardent et qui attendent, et qui regardent un mur ou une télé et qui attendent que les choses se passent. Ce que Michel évoquait tout à l'heure, on attend la mort ou l'heure du repas. Puis à côté, vous avez un autre. Notre unité où les gens sont disposés différemment, habillés différemment, maquillés, etc.
Vous dites, oh, le taux de dépendance était beaucoup plus important, je suis ce que veut dire le personnel. Vous regardez les dossiers, vous vous rendez compte que ce n'est pas automatiquement le cas. Il y a une unité où les gens ont été stimulés, avec un travail de toutes les équipes. Et il y en a une autre où ils n'ont pas été stimulés. Alors, oui, les difficultés de communication. Oui, on me parle souvent de l'Alzheimer. Je vais vous dire, c'est pas automatique non plus difficile. Je suis confronté avec mon propre père avec des phénomènes d'anosognosie, vous savez, la chiracite, comme on dit maintenant, hein, puisque c'est ce dont est atteint Chirac. Donc c'est l'incapacité de se rendre compte de ses propres pertes. Il a une image mentale de lui il y a 30 ans. Donc c'est pas normal qu'il soit là, puisqu'il est capable de tout faire et de se faire à manger. Il n'en est plus capable. Il va partir, il va louer une voiture, il va rentrer chez lui. Il n'est plus capable de conduire, etc. Mais dans sa tête, c'est ça. L'autre jour, l'établissement très bien où il était, il a fait passer au CHU toute une batterie de tests pour savoir exactement où étaient les niveaux des pertes. Est-ce que la nosognosie, qui n'est pas une maladie mais un symptôme, était le symptôme d'un Alzheimer qu'il y avait derrière ou d'autre chose? C'était en fait autre chose. Et il y avait effectivement des tests de mémoire. Il y avait entre autres la question « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Qu'est-ce que c'est, monsieur? Bah, lui qui a été instinct, directeur d'école, etc. Aucun problème. Il a toute sa mémoire. Il répond, c'est une fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. La jeune psychologue dit très bien, monsieur, vous en souvenez bien. Et lui, il continue. Il donne d'autres maximes de La Fontaine. Madame, c'est quelle fable, ça? La jeune psychologue, elle n'en sait rien. Mais quand, quelques minutes après, la psychologue le prend pour faire le bilan en disant « Monsieur, Irving, vous avez perdu un petit peu de mémoire », il saute de sa chaise. Mais qui êtes-vous pour me dire ça? Vous qui n'avez aucune mémoire et qui ne savez même pas vos fables de La Fontaine, vous allez me dire que j'ai perdu de la mémoire. Donc ça passe jusqu'à la lettre recommandée au directeur du CHU disant que, effectivement, il embauche des personnels absolument nuls et incapables. Hein? Pas plus facile tout ça, j'ai mieux vous dire. Hein? Surtout qu'après, quand c'est moi qui dois répondre. Hein? Voilà. Donc ça, c'est un tas de choses. Oui, oui, il y a l'Alzheimer. Oui, il y a aussi un tas d'autres choses où les gens vont mélanger un certain nombre de données. Surtout ce qui est animation, etc., et surtout ce qui est bibliothèque, on a la chance de pouvoir travailler sur des points positifs. C'est une chance par rapport au personnel qui travaille sur les points négatifs et sur les pertes. J'ai travaillé avec beaucoup de bibliothécaires. Les premières bibliothécaires avec lesquelles j'ai travaillé, c'était des bibliothécaires bénévoles qui étaient des anciennes de la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, et qui avait monté les premières bibliothèques de lycée, en particulier au lycée Jean-Sansani dans le 16e, où ils avaient eu, comme parmi leurs élèves, Thierry Lhermitte, toute la bande qui a été au Splendide après, etc. Et cette dame qui montait ces bibliothécaires était une ancienne des brigades internationales qui était intervenue en Espagne pendant la guerre. Et oui, c'est pas facile, oui, c'est quelquefois avec des échanges qui ne vont pas se faire. Mais vous êtes bénévole, vous avez le temps. Hein? Je crois que j'en ai accompagné bien des fois. Oui, ben, vous ne pouvez pas me répondre aujourd'hui. Madame ne peut pas répondre aujourd'hui. Mais je vais quand même lui laisser un livre comme quoi je suis passé. Voilà. C'est ce que vous avez fait. Et puis la semaine suivante, peut-être qu'elle ira mieux et qu'elle pourra échanger. Hein? La réponse, vous l'avez? Oui, justement, pendant ces séances, il y en avait qui se levaient, il y en avait qui toussaient, il y en avait qui parlaient, on a continué à parler. Et puis j'ai remarqué, c'est ce que je disais aussi, il y a une chose qui est très positive, c'est quand on leur parle d'eux. Voilà. Parlez-vous de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. J'ai aussi un très joli témoignage.
Bon, pareil, je m'occupe d'une petite bibliothèque. J'ai pris l'initiative un peu de faire des animations parce que ces personnes ne lisaient plus. Et donc j'essaie vraiment de rentrer en contact individuellement avec elles. Donc on se retrouve, on se serre déjà la main, on se retrouve. Et j'avais une dame qui était d'un milieu très très modeste, qui avait toujours vécu dans le fond de sa vallée de Münster, qui était femme de ménage, qui n'avait jamais eu de télévision, pas de livres, qui avait des gros problèmes, qui avait perdu un enfant, qui ne connaissait absolument rien de la vie. Et un jour, elle me dit, comme ça, elle était toujours fascinée par les livres, et elle remarquait, plus ça avançait, plus je lui donnais de plus en plus des jolis livres, de peintures, de Monet, de Renoir, et elle me faisait des réflexions presque avec des larmes dans les yeux. Et un jour, elle me prend la main en caressant le livre de l'autre côté et elle me dit, qui lui dit qu'à la fin de ma vie, dans une maison de retraite, j'aurais vu le monde aussi beau que ça. Ça, j'ai trouvé que c'était un superbe cadeau et ça m'a vraiment encouragée à... Donc oui, oui, il y a des difficultés. Oui, on trouve les parades. Et vous me posez une question que vous aviez déjà la réponse. Je vais terminer par une petite histoire que j'ai bien en tête puisque je viens ce matin de la réécrire pour un article qui va sortir. Et de Sarah. C'est une intergénération il y a quelques années. Il y a une école qui arrive. Il y a un salon où se passe la séance. Vous savez, il y a toujours une machine à café qui est à côté. Et dans la machine, devant la machine à café, il y a une vieille dame. On peut trouver un petit sang avec elle, Alzheimer, etc. Dans son monde. Elle est presque totalement dans son monde. Effectivement, une capacité d'expression extrêmement faible. Elle ne parle pas. Mais il y a des jours où on va un peu mieux. Avec quelqu'un d'atteint d'Alzheimer, il y a toujours, y compris jusqu'à la fin, des moments de lucidité, puis des flashs de lucidité. D'où l'importance de les considérer comme des êtres et personnes complètes, y compris avec leur expérience et leur culture. Parce que si on tombe dans une période de conscience et des fois qu'elles sont traitées comme de la merde, et c'est destructeur. Et ce jour-là, Sarah, elle était sur un temps de conscience. Elle voit le groupe passer. Elle interpelle un petit garçon. Comment tu t'appelles, toi, David? T'es juif? Oui, madame. Moi aussi, viens ici, je vais te montrer quelque chose. Madame relève sa manche. Il y avait son numéro de camp, indélébile. Et la dame lui explique, c'est quand j'étais en camp, quand j'étais enfermé pendant la guerre. Le gamin revient dans le salon, visiblement perturbé. Et l'instit qu'il connaissait bien, dit bah oui, sa famille n'est pas complète, dans les ancêtres il y a des gens qui ont disparu en camp. Et ses parents ne lui ont jamais expliqué, voulant le protéger. On n'a pas à juger les parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et là, on dit, mais il a découvert ce qu'il devrait découvrir un jour. On a la chance que ça se fasse dans un cadre pédagogiquement encadré. Ça a été repéré par un animateur qui l'a apporté à l'instituteur. Ça échange, on a les éléments d'explication. On va... L'institut va donc voir la famille le soir en expliquant, parce que le gamin il n'est pas con, il sent bien depuis longtemps qu'on lui cache des choses, il a posé des questions et là il a devant lui une preuve, il n'a pas quelqu'un qui lui a dit que, il a une preuve. Donc c'est expliqué à la famille. Fallait bien qu'il le découvre un jour. On va donc lui expliquer. Donc 3 semaines après, David y revient. Il est content, heureux. Il a découvert des racines. Il y a Sarah qui est près de la machine à café. Il se précipite vers elle. Sarah, je suis content de te revoir.
Mais sa main est dans son état habituel, dans son monde. Qui t'es-toi ? David. Connais pas David. Et est-ce qu'on fait ? Voyez l'effondrement pour le gamin. Donc là, ici, il faut qu'on soit là. Qu'on explique. Je vous dis oui, parce que les animateurs connaissent tout ça. Qu'on explique que, ben oui, il y a des jours où on va bien, quand on est malade, puis il y a des jours où on va mal. Et Sarah, elle est effectivement malade. Mais ce qu'elle lui a dit l'autre jour, c'était vrai. Et je me souviens, toute l'année, ils se croisent dans le hall, Sarah, David qui fait bonjour, Sarah qui répond pas. Il m'a eu un jour où il s'est approché de Sarah et il a dit merci Sarah. 10 ans après, c'était en 2000, la première partie c'était 92 à peu près, une dizaine d'années après, en 2004, j'ai passé toute ma journée au ministère et puis mon directeur, il voulait que je travaille aussi sur l'hôpital, ce qui est compréhensible, donc je faisais 2 journées en une et j'étais dans un bureau dans le hall et je vois un couple qui se promène, un jeune couple. Je continue mon travail et le jeune homme rentre. Il me dit, je vous reconnais, vous ne me reconnaissez pas, je suis David. Je suis venu avec ma copine pour lui montrer où avait été le lieu de ma seconde naissance. Ce David, il a son identité, son histoire, ses racines, construites par une vieille dame avec une maladie d'Alzheimer très évolué. Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup d'attention derrière. Mais n'empêche que la transmission s'est faite. Et que cette vieille dame, très malade, a apporté quelque chose de fondamental à ce petit garçon. Je vous remercie.